Léal, ce projet astronomique connu dans tout Paris. Son grand dôme de verre et ses innombrables boutiques visitées par des centaines de milliers de personnes chaque jour. Mais ce bâtiment nous cache quelque chose de très gros. Revenons 70 ans auparavant, pendant la Grande Guerre. Les chercheurs français et allemands faisaient tout pour trouver l'arme fatale. Lorsqu'un jour, un chercheur français nommé Marcel Maillan émit l'idée de mixer l'ADN d'un homme avec celle d'une autre espèce. Une espèce puissante. L'État mit inéluctablement son veto, mais Maillan n'en resta pas là et alla voir les Allemands pour leur présenter son projet. Ils refusèrent également, mais un labo accepta de le prendre en charge dans leur dos. Ils enlevèrent de nombreux orphelins pour les tester et après avoir enchaîné les défaites, ils réussirent cette expérience sur le petit René Charpagne. Malheureusement pour eux, son aîné Francis, ayant remarqué la disparition hâtive de son petit frère, enquêta aussitôt. Mais il arriva trop tard et son frère n'était plus le même. Il brûla le laboratoire, tua Marcel Maillan et s'enfuit pour l'élever. Pendant plus de 10 ans, ils restèrent à l'écart de la ville, tous les deux. Mais quand René commença à grandir, il devint incontrôlable. Et Francis, du malgré lui, le confia à l'État en leur demandant de s'en occuper. Il fut alors accusé d'avoir maltraité et d'avoir fait des expériences sur son frère et prit plus de 40 ans de prison. L'État garda cette créature en secret, sur l'île du diable, jusqu'à l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Il ordonna alors d'arrêter de nourrir la bête et de le rapatrier en France pour le tuer. Mais elle s'enfuit lors de son transfert et ils ne la retrouvèrent jamais. À sa sortie de prison, Francis avait déjà 70 ans, mais il fit quand même tout pour retrouver son frère. Hélas, il mourra avant de l'avoir retrouvé. Je suis son fils. Et il y a quelques jours, un jeune homme faisant une exploration dans le métro des Halles a disparu. On ne retrouva que son téléphone avec ses rushs. La suite est terrifiante. Je me fis alors embaucher aux Halles en tant que superviseur des caméras de sécurité. Je découvris des choses étranges. J'en suis maintenant sûr. Il est de retour.